Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Pharaon. Après la mission suivante, je tourne à la suite, hein, on va commencer avec la suivante. Fin de la mode archaïque, on a le choix entre Abydos la nécropole, Béder les eaux dangereuses. On va faire Abydos la nécropole. Abjedou, le sanctuaire de nos ancêtres, est devenu avec le temps une immense nécropole de tombes sacrées. De nombreux nobles souhaitent faire de ce lieu leur demeure pour le repos éternel. Le nouveau pharaon, regardez les objectifs quand même. Seconde dynastie, a ordonné les troupes militaires égyptiennes dominent le monde civilisé. Voilà, on va faire ceci. Mais le nouveau pharaon Kassekemoui de la seconde dynastie exige l'installation d'une armée navale puissante à Bédet. Seule une flotte de navires de guerre serait en mesure de prendre le contrôle des océans. Voilà. Mais le bois manque. On va se faire cette mission-là, mission militaire encore. Voilà, colosse maritime, pêche au Nil, construction de navire. Donc la ressource principale, ça va être des fermes de pochers d'orge, classique. Allez, faut pas tarder. Alors la route est dégueulasse. Non mais la route, tu déconnes là, franchement c'est quoi cette route de merde? Qu'est-ce que vous avez fumé les mecs? Ça sert à rien cette route-là. Déjà, on va se mettre un village ici. Voilà. Et on va dire, primo, fabrication de chantier, parce qu'il va falloir absolument former des pécores très vite. C'est pas... Arrête de me faire chier là, les immigrants. Et moi c'est casse-couille, je vais passer par les chemins. Non, 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 on va passer par là hein, pour t'emmerder. Allez, ferme. Ferme de pois chiches, remplissez-moi vite les fermes. Primo, ça va être fabriquer de la nourriture. C'est la priorité absolue, la nourriture. Avec ici, on va mettre un petit pavillon parce qu'il faudra bientôt ou tard rendre les gens contents. Évidemment, le petit entrepôt qui fait plaisir ici. Avec, vous l'avez compris, ici, on va mettre tout ce qui est matière première, puits d'argile. Évidemment ici, poterie, parce qu'il va bien falloir que on fasse... Alors le machin là, je vais pas vraiment y aller à ce truc là. Hein. Par contre, il va falloir un entrepôt pour stocker... Quels objectifs? Culture, prospérité, monument... Qu'est-ce que je peux exporter? Alors déjà, faut que je construise un petit mastaba, super. Des briques, enfin, faut que j'importe des briques. Je peux exporter de l'orge, de la bière. Je peux exporter la bière, l'orge. La toile. Faut que j'importe du bois. Heureusement, j'ai des mines d'or et surtout j'ai des cœurs de roseaux. On va vendre du papyrus pour faire du business. Et là, il y a de l'or, ok. Je ferai une deuxième ville ici. Ok, ils sont là les roseaux, super. Et puis on va pas s'emmerder à faire exporter de l'or. Enfin, exporter des roseaux. Enfin, juste une ville, une deuxième ville là-bas. Ça va être classique, hein, vous avez compris, hein. Bon, il y a Dieu, il y a Osiris et il y a Ré. On va construire des temples, vous allez voir. Temple d'Osiris. C'est quel local déjà, j'ai oublié. C'est Osiris local et c'est Horus en protecteur. Et Horus c'est Ré, hein.
Peut-être faire remettre les points d'eau, ce serait peut-être bien aussi sur les cailles. Peut-être qu'on va mettre tout ce qui est pompier architecte, hein. C'est bien que les bâtiments ne s'effondrent pas, hein, dans ce bazar. Manque d'argent, c'est bon, t'inquiète pas. Allez, on va mettre un petit bazar. On va mettre en place un petit dock également pour faire du commerce, parce que c'est pratique le dock. Cette charrette ne bougera pas tant que personne ne la décharge. Ok, bouge pas. Je mets un entrepôt ici. Avec le bazar qui va aller chercher la nourriture et... Ah ça, il faut que je fasse la petite fête pour... l'autre dieu. On va faire la bière ici, les gens. On va développer le quartier par là, ça permettra d'accéder aux mines d'or en plus. Je vais même faire les autres 4, je sais, c'est ma technique à moi. Enfin, avec 2 au milieu. Encore une fois, on va devoir raser le palais. Je vais mettre la perception. Oui, faites-moi les faveurs les dieux, c'est ça. Alors on va faire une route par ici. Avec le fameux kiosque pour... Et là on va être les mines. Voilà, avec tout ça, franchement, c'est que ça, on fait pas franchement des bénéfices de dingue. Ça rapporte un peu de dingue en plus ça. 8 personnes dans la ville, parfait. Bon, la nourriture là, prenez plus les gens s'il vous plaît. Bah, il y a même pas assez de bouffe, regardez-moi ça. C'est quoi que je récolte dans ce village? C'est en... juillet, en 2 mois. Bon, je vais pas pouvoir planter des orges cette année alors. Je comprends bien en fait. J'ai merdé, encore une fois. Mais bon, ça vous avez habitué les gens, hein, franchement. L'or va rentrer à fond dans les caisses, allez voir. Et vous allez voir, on va faire un truc très simple. On va faire une fabrique de bateaux et surtout les quais navires de guerre. Et on va stocker tout ce qu'on doit avoir ici en matériaux, par exemple le bois et les briques, on va tout ça ici. C'est bois, on va accepter à moitié, briques à moitié, et là on va, ça va être full briques.
c'est bon les dieux là. Bienveillant et prédateur, c'est bon, on est tranquille là-dessus. Alors, on va... Faut que je porte la bière très vite. Est-ce que j'ai du... Enfin, j'ai un peu de tissage, ouais. Pas mal. Voilà, j'ai essayé quoi. J'ai acheté du lin pour 54 et j'ai revendu la toile à 160. Vous avez vu clairement l'écart. La bière, ça se vend 140. Les mecs, ça s'achète 150. Bon. Biblos, ils vendent du bois. Chut. Paradis, ils vendent des briques. On va acheter les briques très vite à Paradis. Et en plus, ils vendent du roseau, ces crétins. Tina, ils achètent de la toile et papyrus, parfait. Bennefer, ils achètent de la pierre, ouais. On va voir toutes les routes, ça va être plus simple. Neken, ils achètent du papyrus. Ah, je passe des bennes pour ouvrir la route. Ah, je suis hyper endetté. Bon, heureusement, vous allez regarder, ça c'est... La seule route qu'il me faut, celle pour acheter la toile, je l'ai pas. En fait, très simple, la toile, on va exporter au-delà de zéro. J'ai pas le fond d'expédier, en plus c'est parfait. On va monter les briques. L'argile et les poteries, c'est bon, j'en ai. Hein. La bière, on va exporter au-delà de 800. De quoi, de la bière. Voilà, on va exporter au-delà de 0. Qu'est-ce qu'ils veulent? La poterie, on va accepter. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va... Bon, il faut que l'argent rentre. L'argent des mines d'or rentre, heureusement, c'est une bonne nouvelle. Bon. Ils font un petit tour, il n'y a pas de risque d'effondrement, c'est parfait. Par contre, là, les briques, ouf. Faut que l'argent rentre, hein. Plus de mines d'or, hein. On va arrêter l'achat de briques pour l'instant. Et on va se débrouiller de faire... je suis combien en chômage? 22% de chômage. Ok, on va faire un entrepôt pour stocker du papyrus et... Oui, je sais que je demandais à répétition, je sais. Route et plus, là, bande de chiens. J'ai 14 mines d'or. Elles produisent 1400 à chaque fois, là. Allez, ce qu'on va faire. De la bière, j'ai pas de bière. C'est con ça. Ouais, on va tout refuser. On va acheter du lin à moitié et de la toile et à produire des ateliers de tissage. Juste à côté, comme ça. Et on va faire pareil, vous allez voir. Avec. C'est sûr qu'il n'y a personne là. Le bois, faut que j'achète du bois. Hein. On va acheter 400 bois de bois. Bon, on va peut-être faire des champs là, des fermes de d'orge. Ça coûte cher, ces machins là. Ils sont les...
Donc le beau avantage c'est que j'ai pu commencer à construire des navires. Deux navires de guerre qu'il me faut. Pas de distraction. Ah bah... École de jonglerie. Conservatoire. École de danse, ça devrait être suffisant. Allez, pour vous, là. Bah, une école de jonglerie. Un petit conservatoire. Voilà, on produit... On va pouvoir produire du lin. Enfin, de la toile avec le lin. Rendez-vous-t-il... Voulez-vous me fabriquer ce lin? Bon. Les fermes. Pile de peste, oui, c'est bon, ça. Vous inquiétez pas, on va gérer ça. Bah tant pis pour cette année encore pour les... Le médecin, où est-ce qu'ils sont les médecins? On va mettre un médecin là. Un médecin ici. Deux médecins. Et vous voulez les médecins? Oh la bière, oui c'est bon, j'ai pas de bière là. Au niveau du royaume il est assez suffisant. Les fonds sont en baisse. D'ici peu, on pourra vendre tout ce lin, enfin toute cette toile plutôt. Les ateliers, ils fournissent ce dont on a besoin. Pas de chômage? J'ai réservé le chômage? Pas le problème en plus d'emploi, c'est super. Quelle bonne nouvelle. Faut juste qu'il y ait la bouffe qui arrive. Bon, on va prendre la nourriture ici, on construit un deuxième grenier. Allez, sur lui là. On va mettre un deuxième grenier ici, parfait. Ça vous allez pouvoir acheter la nourriture. Et en plus, il y a un bazar rempli de poterie là-bas. Je mettrai un entrepôt ici rempli de bière. Ah bah là, allez, les caisses sont bonnes là. Bon, on va dépêcher par contre Les Égyptiens, le premier brasseur de l'histoire, les gars. Allez, faites-vous plaisir. Allez brasser de la bière. Faut peut-être plus de chantier, non? J'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de chantier, moi, ici. Bazar, il faudra peut-être un deuxième bazar, ce serait peut-être bien. On va se dépêcher en plus de vendre, de faire des brasseries. On a deux entrepôts. Un à bière, et, enfin un à houblon et un à bière. Oui bah à orge, oui c'est pareil. Non c'est pas tout à fait pareil, c'est vrai. Oui bah le pharaon bah, il va se gratter pour sa requête annuelle de bière là, et c'est merde hein. Mais ben il achète le pharaon, qu'est-ce que je dise? Il est pas foutu d'avoir assez de pognon le machin? Mais je suis des vivants, je suis pas foutu d'acheter de la bière. Je vous jure, sérieusement. Le cul de ces gens-là. Bon. Allez, maintenant que l'économie tourne bien, on va construire un nouveau quartier, vous allez voir, ici. Ici, ce sera par contre plutôt pour à moitié papyrus. Et roseau. Et regardez ce qu'on va faire.
Et fabriquer du papillon, c'est évidemment, vous avez compris. On achète des matières premières et on vend des produits transformés. C'est la recette classique du succès. En plus, l'argent me permet de pouvoir racheter à nouveau les briques. Et on va construire des guildes de constructeurs. Voilà, ici ils sont guildes de constructeurs, guildes de maçons. Et vous construire un mastaba moyen. Ah, c'est pas un petit mastaba. On va mettre là le machin. Là où il n'y a pas de... Il n'y a pas de route. Ah, je peux avoir du poisson dans... Mais si, je peux faire du poisson. Ah, je peux avoir du poisson. Ouais, mais j'ai pas de... Non. Ça passe? Oui, ça passe, ouais. Parfait. Le poisson, ça permettra d'avoir des petits bateaux qui vont faire du poisson. Il faut combien d'habitants dans la ville? Donc, 2500 habitants. Donc, shit, hall. Comme disait Donald. Bon, alors, eux, ils veulent de la bière, ça, c'est évident. Là, par contre, le problème, c'est que, ben, ils sont tous partis sur le mastaba. Et personne n'est venu sur les champs. Ah, la danseuse, glou 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 glou, adieu. L'avantage des petits quais là à poisson, c'est que ça permettra d'avoir du poisson même quand on aura ben, l'inondation. Ça produira toujours un peu plus de nourriture. On n'a jamais trop de bouffe de toute façon. Ouais, là, c'est déjà moitié vidé. Là, c'est déjà vide. Je manque tellement de nourriture. La culture, c'est largement assez. Exportation 1900. Oh, bah c'est pas grave, les importations. On va améliorer ça. De toute façon, dans quelques années, j'aurai plus besoin de briques. 24 000 briques, 60 chargements quand même. C'est pas demain la veille. On va accélérer clairement les choses. Malaria, oui, ben on sait. Il me faut un petit médecin. On va faire un petit médecin. On va mettre des pharmacies également. Ça peut abuser contre la malaria, les pharmacies. Vraiment, cette vitesse accélérée. Et voilà, ils construisent bien le mastaba. Empilez les briques, les gars. L'argent, ça rentre. Donc j'exporte juste maintenant plus de papyrus. Hop. On a le temps des fêtes. Là, la ville a trouvé son petit rythme de croisière. Hein. Ah bah tiens, la construction bénie. Parfait. Les dieux bénissent la construction, ce qui va me permettre de faire des économies de briques. Allez, exploiter ces fermes là. Foutez-moi la paix avec la malaria. Allez, on va faire un truc très simple, on va construire. Ferme dans le pois chiche. Ah, une araignée bien va attaquer d'ici 18 mois. Bon. Enfin, on commence à construire des structures défensives. Dans le quartier moche ici, un centre de recrutement avec des forts d'archers. On va mettre un fort d'archers dans le coin là. Un autre en haut. Je pense que 4 forts, c'est largement suffisant déjà pour commencer. Et si ces cons se retrouvent ici, bah c'est leur problème. On a du poisson qui arrive.
Gnoll quoi? Des bières. Voilà. Ça, la bière, il va falloir qu'on fasse d'abord une récolte de... d'orge. J'ai pas assez de chantier dans cette ville, hein. Faites-moi, recrutez-moi plus de paysans, les gars. Ah, je sais bien qu'on a besoin de manœuvre. Ils ont vendu toute leur toile. Papyrus aussi a été vendu, bonne nouvelle. Le mec a été inondé, il n'a même pas fichu partir avec sa cargaison de bouffe. On va des statues pour embellir parce que le grenier c'est moche. Hein. Oh les villes pas aux petits à la série K, franchement c'est ignoble. Et là les briques ça achète ou pas? Qui est-ce pour m'acheter des briques les gars? Il y a tout qui est bon. Je vais quand même construire une petite demeure personnelle. Est-ce que je construis ma maison? Alors on s'en fout, on va dire qu'on va la mettre là. Bah non. Là, il n'y a pas d'eau, évidemment. Ah là, je vous jure, la purge. Où est-ce qu'on peut mettre sa demeure pour... sans que ce soit trop dégueulasse? Bon, voilà, on s'en fiche. On va être là près des chantiers, c'est moche, mais on s'en tape. Oh, les gens veulent défaite. Ok. Bon, c'est toujours pas assez d'orge qui a été, planté. Hein. Ah, il y a tellement peu d'orge, regardez ce qu'il y a. Quasiment rien. De toute façon, le problème, c'est rien que. On n'a pas assez de bière, il n'y a pas assez de bouffe déjà dans cette ville. Ouais, on est déjà en novembre, on est déjà en déjeu-bouffe. Mois de novembre. On est à peine 2 mois après la récolte. Est-ce qu'on peut pas apporter de la bouffe? Parce que là... figue, pois chiche. Non, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Faut absolument que j'importe de la nourriture. Les articles de luxe, c'est pas tellement rentable parce que ça se... les gemmes s'achètent cher, mais les... c'est à 150 la gemme et je crois que c'est 200 l'article de luxe, donc c'est... Il n'y a pas un bénéfice énorme. Pas aussi considérable que lorsque vous vendez du... que quand vous faites ça avec le papyrus et les roseaux. Bon, je vais accélérer parce que là, la ville a trouvé son rythme de croisière. C'est quoi que ça attaque les singes ailleurs? En août. Bon, très bien, on a le temps. Voilà. Malaria, on s'en fout un peu. Voilà, on va se battre rapidement dans 1 mois. On va arriver à vitesse. On a un peu plus d'orge dans les, en ville, dans les stocks. Pas énormément, mais bon, mieux que rien. Non, faut qu'on brasse la bière. Ah, allez, moi, cette ville, je sais, bon, je m'en fous, c'est pas une ville où je veux vraiment envie de rester. Hein. Bon.
Allez. On va réparer les navires. Voilà, on a coulé les navires. D'où le fait que je veuille avoir un peu de bois en stock pour pouvoir réparer mes navires de guerre. Allez, paysans, foncez immédiatement. Regardez-moi ça là, il y a juste à péter des pois chiches. Le poisson. C'est la loose totale cette ville. Ah, ça y est. On est passé au stade suivant. On va construire un palais de justice. Pas le palais de justice? On va aller pas plus loin donc. On va aller aux maisons blanches là. Et c'est très bien. Ouh. Ce manque de... Il y a vraiment quand même un problème de bouffe dans ces villes-là. Non, pas les maisons de riches! Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas foutu de construire... Passer par là les pompiers à noix là. Va pas éteindre les incendies, mon gars. Tu passes avec tes seaux, mais. Bon. Le bâtiment tient debout parce qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui. J'adore cette description. L'humour du jeu est un peu corrosif des fois, mais ça fait du bien. Allez, je vais rebâtir les maisons ici. Ils vendent des briques et du papier. Peut-être qu'il n'y a pas assez de docks, ces villes. Mais un seul dock, je peux pas mettre plus de navires de docks, hein. On va faire un quartier spécial ici. Tiens, je peux faire un quartier militaire ici si j'ai voulu. J'ai la flemme de coloniser ces coins-là. Un seul dock, ça suffira, je pense. On va accélérer la vitesse parce que c'est un peu chiant sinon. Le problème c'est toujours les briques, il manque encore 4800 briques. C'est un entrepôt du plein quand même les gens en 4800 briques. Hein. 200 qui peut être fait, ouais, c'est sûr que... On est con niveau chômage? Pas le problème de chômage. Les dieux mécontents et froissés. On va construire des temples en plus. Voilà. La nourriture qui est en stock, heureusement. Pédagogie non des mots, tant pis, hein. On va le reconstruire, c'est tout. Il n'y a plus besoin d'acheter beaucoup de briques, les gens, je peux l'assurer. Hein. Allez, brouillez-vous de me vendre des briques, les gens. L'argent, ça coule à flot, franchement, là, niveau. Allez, on est les briques, vite.
Sous vitesse, vous allez voir, hop. Bah, ça va être terminé, hop. Regardez-moi ce beau mastaba. Il est beau le machin. Et on a gagné, ouf. Le pharaon est satisfait. Vous avez maîtrisé les forces maritimes et fluviales et utilisé ses ressources à bon escient. La puissante flotte que vous avez créée patrouille les voies d'eau et assure la sécurité de nos rivages. Ouais, enfin jusqu'aux cataractes du Nil, en tout cas. Donc, quoi qu'il en soit, bah, j'espère que l'épisode vous aura plu. Bon, je vous dis au revoir, à la prochaine, et salut tout le monde!